Objectif demi-finale, on le rappelle, hein, la Coupe de France, c'est le seul trophée qui a échappé aux Lyonnaises l'an dernier avec Ellie Carpenter. Carpenter qui se projette face à Corboz. Là, on a trouvé le summer en appui, ça c'est intéressant. Derrière Carpenter joué. Qui continue son effort. Delphine Cascarino, le centre pour Jennifer Marozade et le but. Oh, c'est splendide. Oh, c'est magnifique la projection de Carpenter. Le centre ensuite de Cascarino pour celle qui n'arrête pas de marquer en ce moment. Jennifer Marozade. Oran face à Doucouré et Doucouré qui remporte son duel. Il faut venir l'aider, Lindsay Oran. On va décaler Rachel Corboz. Corboz a frappé le but. Le but de Rachel Corboz. L'égalisation du Stade de Reims sur cette situation. Lindsay Oran en retrait. Oran qui a senti le retour. Transmet à Marozade. Sarah Dabritz trouvée dans la surface. Et Dabritz pour Marozade. On avait vu l'inverse sur la pelouse du terrain de l'Or Gérard Roulier face à Bordeaux. Cette fois-ci, c'est une passe décisive de Maro pour Sarah Dabritz. Et on va essayer de relancer du côté de Pasquereau. Gros, gros ballon là. Il faut parler du côté de Christian Endler. Oh, Christian Endler qui s'est complètement trompé. Et Melchit Dumorlet qui va marquer. Oh, Christian Endler, quelle erreur. Incroyable ce manque de communication là de la part de Christian Endler. Tir au but entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Allez, Christian Endler face à Chemix, c'est arrêté. Allez, Chris, c'est maintenant. Oh, et c'est arrêté. L'OL est en demi-finale. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué. Ça n'aurait pas pu être plus compliqué.